Vipérine est une production qui s'adresse aux élèves de 9 à 12 ans. C'est une héroïne de 10 ans qui part en mission pour aider sa famille à surmonter le deuil de sa grande sœur qui est morte quelques années auparavant. À part le thème du deuil qui est abordé dans la pièce, il y a aussi tout le thème entourant la famille, les relations entre parents, les enfants, entre frères et sœurs, entre sœurs, qui peuvent être abordés en classe dans une discussion d'ordre éthique ou philosophique avec les élèves. Ce qui est important de savoir, c'est que Vipérine, malgré le thème du deuil qui est très présent, est loin d'être une production lourde, parce que Vipérine est drôle, est pleine de vie, est spontanée et surtout intrépide parce qu'elle part à l'aventure dans le royaume des morts avec sa sœur pour l'aider à la libérer. Cette aventure-là, ça tient les spectateurs en haleine, puis c'est un petit peu épeurant. Pas trop, juste assez pour qu'ils aient du plaisir. Ce qui est intéressant au niveau de la forme du spectacle à relever, c'est le rôle du narrateur. Le narrateur est présent sur scène, mais il surprend parce qu'il intervient avec les personnages. Il fait les voix des personnages qui ne sont pas sur scène aussi. Cet aspect-là est très intéressant à voir avec vos élèves. Une autre chose qui pourrait être intéressante à relever, c'est le fait que le personnage de la sœur de Vipérine, en fait, le personnage que Vipérine imagine en tant que sœur parfaite, parle en rime au début du spectacle. Elle fait des vers. Alors, je trouve que c'est un clin d'œil très intéressant des personnages classiques. C'est une belle prémisse pour aborder la poésie et les rimes avec vos élèves en classe. Pour terminer, je dirais que Vipérine est émouvante et attachante, puis c'est sûr que les élèves vont s'identifier à ce personnage-là.